Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer son compte TikTok en privé. En effet, votre compte est au statut actuel de public, mais vous souhaitez restreindre les personnes qui voient vos vidéos et garder tout cela privé ou uniquement pour vos amis. Donc pour ce faire, il faudrait être sur votre profil TikTok. Vous pouvez très vite savoir si vous êtes en privé ou non, car si vous êtes en privé, vous aurez une bannière grise qui l'indiquera. Celle-ci apparaîtra d'ailleurs en fin de vidéo. Donc il faut aller dans les paramètres, pour ce faire, cliquer sur les trois traits juste en haut. Une fois dans les paramètres de confidentialité, dans l'onglet « Compte », cliquez sur « Confidentialité ». Vous pouvez maintenant cocher « Compte privé ». TikTok vous rappelle que grâce au compte privé, seuls les utilisateurs que vous approuvez pourront s'abonner à votre compte et regarder vos vidéos. Mais sachez que tous vos abonnés actuels ne seront pas pour autant supprimés. Si vous descendez en bas, dans l'onglet « Sécurité », vous pouvez observer que les paramètres ont changé, par exemple pour les duos, et vous pouvez uniquement sélectionner « Moi » et plus « Amis » ou « Abonnés » car vous êtes en compte privé. Sachez que cette fonctionnalité n'enlève rien au fait que vous pouvez savoir qui a vu votre profil. Et si vous ne savez pas comment faire, nous avons déjà fait une vidéo dessus, son lien est dans la description. Et comme je vous disais, la barre grise va maintenant apparaître. Donc il faut retourner sur votre profil, et vous pouvez constater que en dessous du nom d'utilisateur, vous avez une bannière grise avec écrit « compte privé ». Comme ça, vous avez la certitude que votre compte est bien uniquement réservé à vous et à vos amis. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.